29 septembre 2006. San José dos Campos au Brésil. 3, 2, 1. C'est un grand jour au siège d'Embraer. L'avionneur brésilien vient de vendre un avion d'affaires à Excelair, une compagnie charter américaine. Montant de la facture, un peu plus de 16 millions d'euros. C'est un bel avion. Embraer avait organisé une jolie petite cérémonie dans le hangar juste avant l'embarquement. Et le personnel d'Excelair était particulièrement fier. Cet appareil est un Legacy 650. Redessiné pour offrir un maximum de confort, sa cabine accueille jusqu'à 13 passagers. Cet avion d'affaires aux lignes épurées existe depuis 4 ans et Embraer en a livré près d'une centaine d'unités. La compagnie Excelair compte l'utiliser pour transporter ses passagers à travers le monde entier, mais elle doit d'abord le conduire jusqu'aux États-Unis. Joseph Leport et Jan Palladino, qui seront aux commandes lors du voyage inaugural, sont au Brésil depuis quelques semaines pour se familiariser avec leur nouvel avion. Quant à Joe Sharkey, qui travaille pour le New York Times, il a gagné un billet gratuit pour rentrer chez lui. Ils livraient un avion, moi je faisais du stop et ils m'ont gentiment invité à embarquer. Le Legacy prend la direction de Manaus, dans le nord du pays, où il doit faire escale avant de repartir vers New York. Une demi-heure après le décollage, l'avion survole le cœur du Brésil. La forêt tropicale qui s'étend à perte de vue dessine un paysage absolument époustouflant. En regardant à l'extérieur, j'ai été ébahi. Sur tout l'horizon, on ne voyait que la cime des arbres. J'ai trouvé ça magnifique. À 15h50, le Legacy prend contact avec le CCR de Brasilia, le centre de contrôle régional situé à une centaine de kilomètres. Brasilia, November 600 X-ray Lima, niveau de vol 370, bonjour. Environ 75% du contrôle aérien du pays est assuré par les aiguilleurs du ciel qui travaillent ici. Le trafic à gérer est plus important que dans n'importe quel autre CCR du pays. Le Legacy se trouve parmi les nombreux avions gérés depuis cette salle ce jour-là. Chaque vol pris en charge par le CCR de Brasilia apparaît sur un écran d'ordinateur sous la forme d'un petit cercle se déplaçant dans la direction de l'avion. L'ordinateur affiche également l'altitude réelle et l'altitude prévue. November 600 X-ray Lima. Code transpondeur, reçu. Jan Palladino envoie un signal au contrôleur pour lui confirmer que les données affichées à l'écran proviennent bien de l'avion prévu. Radar surveillance. Une heure plus tard, la routine s'est installée à bord de l'Embraer. L'ambiance était retombée, tout le monde travaillait et le calme régnait. Je transcrivais le texte d'une interview que j'avais faite chez Embraer. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Mais Jan Palladino a du mal à renouer le contact avec les contrôleurs aériens de Brasilia. Brasilia, November 600 X-ray Lima. N'arrivant pas à joindre les contrôleurs sur le canal qu'il a utilisé presque une heure plus tôt, il en essaie d'autres. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Brasilia, November 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Au bout d'une douzaine de tentatives, Jan Palladino contacte un autre contrôleur de Brasilia qui lui donne des canaux pour les communications à venir. Utilisez le 123 décimal 32. 126 décimal 35. Je n'ai pas compris le dernier. Merci de répéter le canal pour November 600 X-ray Lima. Mais le Legacy perd une nouvelle fois le contact radio. Brasilia, November 600 X-ray Lima.
Pendant que le pilote essaie de reprendre contact avec Brasilia, l'avion poursuit sa route. Mais quelques minutes avant 17h, soudain, j'ai entendu la déflagration la plus forte de ma vie. La secousse semblait avoir ébranlé chaque atome de mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Pilote, mon vieux. Déclare une urgence. Asseyez-vous! Personne ne sait ce qui est arrivé à l'avion. Mais quand Joe Sharkey regarde par son hublot, il n'en croit pas ses yeux. L'extrémité de l'aile avait été arrachée et la découpe était dentelée comme si elle avait été mâchée. Il est devenu évident qu'on était vraiment dans de sales draps. Directeur de la maintenance d'Excelair, Ralph Michieli se précipite vers le hublot. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire et il m'a répondu « c'est grave ». Ayant plus d'expérience sur ce type d'appareil, le copilote Gian Paladino prend les commandes. Laisse-moi piloter. D'accord. Je vais descendre. À toi de jouer. Il est toujours impossible de contacter le CCR. N600XL, nous déclarons une urgence. Le saumon a tenu? Non. Bon sang. Le saumon de l'aile droite du Legacy a disparu, ce qui perturbe l'écoulement de l'air et rend le pilotage plus difficile. Ça va aller? Quand l'avion commence à descendre, les passagers redoutent de voir les dégâts s'aggraver. Notre principale inquiétude, c'était l'aile. Elle avait subi un tel choc que son intégrité structurelle était forcément affectée. Le bord d'attaque se détachait. Les pilotes ne peuvent plus tourner serré, car des contraintes trop importantes risqueraient de conduire à l'arrachement de toute l'aile. On était dans une situation où on risquait de mourir. J'ai pensé à ma femme et je me suis demandé ce que je pouvais faire. Je lui ai écrit un mot, j'ai arraché une feuille de mon calepin et j'ai écrit un petit message lui disant que je l'aimais. J'ai dit ce que je pouvais. L'Amazonie, où la forêt s'étend à perte de vue, est loin d'être l'endroit idéal pour se poser. Il y avait des arbres partout et je me suis demandé où ils allaient atterrir. On sent. Quelques heures seulement après son premier décollage, l'avion risque de s'écraser. Et les décisions prises par Gian Paladino et Joseph Leport vont bientôt être critiquées dans tout le Brésil. Répondez, November 600 X-Ray Lima. Cherchant désespérément un endroit où se poser, le commandant de bord découvre une petite base militaire sur sa carte de navigation. November 600 X-Ray Lima, nous déclarons une urgence. Laquelle? N600XL, on doit atterrir à Sierra Bravo Charlie Charlie. C'est votre aérodrome? Affirmatif. Longueur de la piste? 2600 mètres. Attendez, 2600, c'est bon? On arrive, c'est une urgence. Ici November 600XL Lima. C'était quoi? Un choc. 2600 mètres sont plus que suffisants pour poser un Legacy. Mais l'équipage ne sait pas comment ce dernier va réagir lorsqu'il touchera le sol. Dans l'immensité verte, il y avait une balafre marron à environ 5 km. J'ai entendu Joseph dire « Il y a un aérodrome ». Sierra Bravo, on vous voit et on arrive. Trouver un aérodrome est un coup de chance, mais l'avion n'est pas pour autant tiré d'affaire. Encore faut-il atterrir. Gian Paladino et Joseph Leport ne peuvent pas configurer l'avion pour une procédure de routine. Tente les volets au sommet de l'arrondi. 9 sur l'arrondi. 9. Déployer les volets agrandit la taille des ailes. Et plus une aile est grande, plus elle offre de portance, ce qui permet de ralentir pour atterrir. Compte tenu de la gravité des dégâts, les pilotes ne veulent pas trop solliciter leur aile. Et comme ils ne pourront déployer les volets qu'au dernier moment, ils devront se poser à une vitesse plus élevée que la normale. Asseyez-vous! Quand on se pose dans de telles circonstances, c'est-à-dire à une vitesse plus élevée que la normale, on comprend vraiment à quel point un avion vole vite. On descend à toute vitesse. Je voyais les arbres juste à côté, presque comme dans un film, avec les images qui défilent en toile de fond. Je me suis dit, pourvu que la piste ne soit pas trop courte. C'est bon! Gian Paladino freine violemment. C'est bon. C'est bien. C'est ça. Continue. L'avion commence à ralentir.
Beau travail. Bon sang. On a enfin stoppé et un beau silence s'est installé quand les moteurs se sont arrêtés. Tout était de nouveau calme. Pendant plus de 25 minutes, l'avion d'affaires a volé avec un morceau d'aile en moins et avec la queue endommagée. Quelque chose, au-dessus de la forêt tropicale, l'a lacéré. Mais cette étrange journée n'en finit pas de se compliquer. Comme l'avion s'est posé sur une base, les militaires confisquent les passeports de toutes les personnes présentes à bord. C'est là que j'ai compris qu'on était en garde à vue. Je pense que les autres à bord n'ont pas eu tout de suite cette impression à ce moment-là. Pilotes et passagers sont transférés à la base aérienne voisine. L'urgence déclarée par le Legacy a semé la zizanie chez les contrôleurs aériens de Brasilia. Mais ce n'est pas le seul problème auquel ils sont confrontés. Un avion qu'ils attendent ne s'est pas présenté. Il s'agit du vol Gol 1907 qui devrait apparaître sur les écrans radars. L'appareil invisible est un Boeing 737 avec 154 personnes à bord. En l'air depuis 2 heures, il devrait approcher de Brasilia. Mais le centre de contrôle régional n'en a aucune trace. Manaus, je ne reçois aucun signal du Gol 1907. Il est en route. Le contrôleur appelle son collègue de Manaus, le dernier à avoir parlé au 737. L'anxiété était grande. Et les contrôleurs ne savaient pas trop quoi faire parce qu'ils ignoraient ce qui se passait. Au cœur de l'Amazone, les hommes du vol XLR s'efforcent de comprendre ce qui est arrivé. On a heurté quelque chose. Un condor ? Tu rigoles ? À 37 000 pieds ? Un avion militaire ? Non, un avion a dû exploser et on a traversé la pluie de débris. Il y a eu plus d'impact. Tandis qu'ils essaient de reconstituer les événements étranges de la journée, ils apprennent une nouvelle terrible. Un avion de la compagnie Gol s'est écrasé. C'est l'avion qui était porté disparu. Je viens d'apprendre qu'un 737 s'est écrasé dans l'Amazonie, là où on était. Quoi ? Ça a été un vrai coup de tonnerre. Le monde a basculé immédiatement. Joseph et Jan étaient effondrés. Je n'avais encore jamais vu deux hommes aussi désespérés de toute ma vie. Le vol de la Gol s'étant écrasé à l'endroit où le Legacy a perdu un morceau d'aile, il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. À environ 100 km de la base militaire, les secours découvrent l'épave du vol 1907. Le plus gros problème, c'était que l'avion était tombé tout droit. Après la chute, les arbres l'avaient recouvert et il était difficile de l'atteindre. Les débris jonchent le sol de la forêt tropicale. La nouvelle du drame choque profondément les contrôleurs de Brasilia. Ils venaient de comprendre que le pire qui pouvait arriver s'était produit. Beaucoup pleuraient, beaucoup ont dû sortir de la salle. Le chaos régnait dans la pièce. Dans les jours qui suivent, des soldats affluent vers le lieu du drame. Mais la densité de la jungle ralentit leur progression. Pour parcourir un kilomètre dans cette forêt, il faut compter à peu près une heure de marche.
Les militaires dégagent une zone pour que les hélicoptères puissent atterrir. Très vite, il semble évident que personne n'a survécu. 154 personnes ont trouvé la mort. À l'époque, c'est le drame le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation brésilienne. Que s'est-il passé dans le ciel au-dessus de l'Amazonie? Les enquêteurs se retrouvent face à un travail de titan. Rufino Ferreira du CENIPA, l'équivalent brésilien du bureau d'enquête et d'analyse, se voit confier l'enquête. Un enquêteur doit toujours rester ouvert à toutes les possibilités. Il ne peut pas partir avec des idées préconçues. Quand on est arrivé sur les lieux de l'accident, la seule chose dont on était sûr, c'était d'avoir découvert l'avion porté disparu. L'épave du 737 est éparpillée sur plus de 2 km. Une telle dispersion indique aux enquêteurs que l'avion s'est disloqué avant de toucher le sol. L'avion s'était désintégré en tombant. Il était déjà en morceaux lorsqu'il a touché le sol. Presque aucun dégât n'était dû au choc sur la Terre. L'avion était déjà détruit à ce moment-là. Le 2 octobre, 3 jours après le drame, on retrouve l'enregistreur de paramètres. La majeure partie de l'enregistreur phonique est également récupérée, mais il manque un composant essentiel. Lors de cet accident, l'impact a été si violent que le module mémoire s'est séparé de l'enregistreur. Les enregistreurs phoniques modernes ne sont plus équipés de bandes magnétiques. Les conversations sont stockées sur un support numérique appelé module mémoire. Mais ce dernier a été arraché et sans lui, l'enregistreur est inutile. Pendant qu'on continue à chercher le module, le colonel Ferreira analyse les données de l'enregistreur de paramètres. Il découvre que l'avion volait à 37 000 pieds, 11 270 mètres, c'est-à-dire à l'altitude qui lui avait été allouée en palier et sur le cap prévu. Puis, sans prévenir, il a basculé et piqué vers le sol. L'événement imprévu qui l'a affecté a donc été aussi instantané que brutal. L'enregistreur de paramètres indique également que l'avion a tournoyé 11 fois avant de s'abattre dans la forêt. Manaus, je ne reçois aucun signal du Gol 1907. Il est en route. Il est dans mon secteur? Depuis plus d'une demi-heure. Les enquêteurs veulent savoir ce que les aiguilleurs du ciel peuvent leur dire des dernières minutes du vol 1907. Il n'y a pas eu de Mayday. En fait, on n'a jamais eu aucun contact avec cet avion. Les contrôleurs affirment n'avoir reçu aucun avertissement quant à un éventuel problème à bord. L'appareil a purement et simplement disparu. En analysant les données du contrôle aérien du jour de l'accident, le colonel Ferreira ne décèle aucune trace de l'avion de la Gol. En revanche, les données concernant le Legacy attirent son attention. Son vol paraît avoir été chaotique. À en croire le radar, au lieu de se maintenir à une altitude donnée, l'appareil n'a cessé de monter et de descendre dangereusement. Les pilotes testaient peut-être leur nouvel avion en opérant des montées et des descentes rapides. Et peut-être ont-ils percuté le 737 de la Gol à cause de cette imprudence. Dès que cette hypothèse parvient aux oreilles de la presse, elle fait la une des journaux. Les gens ont trouvé injuste qu'un petit avion ait réussi à atterrir en urgence alors qu'un gros porteur s'était écrasé dans l'Amazonie en tuant les 154 personnes qui étaient à son bord. Ni Joseph Leport ni Gian Paladino ne sont accusés officiellement, mais ils sont assignés à résidence dans une chambre d'hôtel pendant que l'enquête suit son cours. Rufino Ferreira les interroge, leur demandant ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu. Écoutez, on volait au nord-ouest en direction de Manaus, à 37 000 pieds. On essayait de joindre le contrôle aérien brésilien. Changiez-vous d'altitude? Non. Non.
J'étais à bord, donc si l'avion avait volé de manière chaotique, si on avait eu l'impression d'être sur des montagnes russes, ça m'aurait fait un bon papier pour le New York Times. Vous avez bien dit que vous voliez à 37 000 pieds ? Exact. Niveau de vol 370, et on n'en a pas bougé. En dépouillant les données de l'enregistreur de paramètres du Legacy, le colonel Ferreira obtient confirmation de la version des pilotes. Le radar au sol indique que l'avion volait n'importe comment, mais l'enregistreur indique qu'il n'a jamais changé d'altitude. Et pourtant, la trajectoire de vol a bien quelque chose de curieux. L'avion d'affaires volait vers le nord en direction de Manaus, et le vol 1907 vers le sud depuis cette même ville. Horrifié, Rufino Ferreira constate que les deux avions volaient à la même altitude de 37 000 pieds. Pour une raison inconnue, ils volaient droit l'un vers l'autre. Généralement, le trafic se déroule dans des couloirs aériens déterminés qui ressemblent à des autoroutes du ciel. Et entre les avions circulant dans des directions opposées, il doit y avoir une séparation verticale d'au moins 300 mètres. Le système, par exemple entre Brasilia et Manaus, est très simple. Les avions allant vers le nord volent en palier à un niveau ayant un chiffre pair, et ceux allant vers le sud à un niveau ayant un chiffre impair. Pourtant, le Legacy et le 737 ont emprunté le même couloir aérien alors qu'ils volaient en sens inverse. Pendant de longues minutes, ils se sont dirigés l'un vers l'autre et il semble de plus en plus probable qu'ils se sont percutés. Sur les lieux du drame, les soldats découvrent d'ailleurs des indices étayant cette théorie incroyable en récupérant l'aile gauche de l'avion de la Gaulle. À mi-longueur, elle a été tranchée nette. Aucune autre pièce de l'épave n'est abîmée de cette façon. En outre, la netteté de la coupure indique qu'elle n'est pas le résultat d'un contact avec le sol. Les dégâts de l'aile gauche indiquaient clairement qu'il s'agissait d'un choc avec un autre avion. Avec une aile sectionnée, le 737 ne pouvait qu'entamer une chute en spirale que les pilotes n'avaient aucun moyen d'enrayer. Ce violent tournoiement a provoqué la dislocation de l'avion. C'est la raison pour laquelle l'épave est disséminée sur une surface aussi grande. Mais Rufino Ferreira découvre la preuve irréfutable de la collision sur l'aile abîmée du Legacy. On a trouvé des traces infimes de peinture provenant de l'aile de l'avion de la Gaulle. Les avions avaient une vitesse cumulée de 1600 km/h. Et à une telle vélocité, le saumon du petit avion a sectionné l'aile du 737 sans la moindre difficulté. Le colonel Ferreira sait désormais comment l'avion de la Gaulle est tombé. Mais il ignore pourquoi. Comment deux appareils ont-ils pu se retrouver au même endroit, au même moment, sans que personne ne s'en rende compte? Ce dont il est sûr, c'est qu'il a affaire à un problème des plus inhabituels. Une collision en plein vol est un événement très rare et ça n'aurait pas dû se produire avec deux avions très modernes. La situation se complique encore lorsque les enquêteurs examinent un document capital, le plan de vol déposé du Legacy. Les plans de vol se présentent sous la forme d'un document standard utilisé dans le monde entier. Il comporte le numéro du vol, le niveau de vol ou l'altitude demandée. En vertu de ce document, lors de la collision avec l'avion de la Gaulle, le Legacy n'aurait pas dû se trouver à 37 000 pieds. Il devait se maintenir à cette altitude jusqu'à Brasilia, où il devait descendre à 36 000 pieds. Or, la collision a eu lieu à 850 km au nord-ouest de Brasilia.
c'est-à-dire bien au-delà de l'endroit où le Legacy aurait dû changer de niveau de vol. Pourquoi le plan de vol déposé n'a-t-il pas été respecté? Votre plan de vol vous indiquait de descendre au 360 à Brasilia. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Personne ne nous l'a dit. Avant le décollage, on nous a dit 370 jusqu'à Manaus. C'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas d'où vous sortez ce truc. On a suivi le règlement. On ne nous a pas dit de descendre, donc on n'est pas descendu. Le colonel Ferreira doit vérifier la version des deux hommes. Il veut savoir exactement ce que les contrôleurs ont dit aux pilotes lorsqu'ils ont décollé de San José dos Campos. November 600 X-ray Lima. Niveau de vol 370 vers Manaus. Effectivement, la dernière instruction transmise au Legacy indiquait de voler jusqu'à Manaus à 37 000 pieds. Les pilotes ont obéi à cet ordre, même s'ils différaient du plan de vol déposé. Le contrôleur aérien peut toujours s'écarter du plan de vol car il a une meilleure connaissance du trafic. En décollant de Manaus, le 737 a lui aussi reçu l'autorisation de voler à 37 000 pieds. Des contrôleurs, chacun à un bout du pays, ont communiqué le même niveau de vol aux deux appareils. Une fois qu'on a été certain que les deux avions volaient à la même altitude, on savait qu'on aurait un gros travail d'investigation à faire du côté du contrôle aérien. Le colonel Ferreira se penche donc sur les échanges entre les contrôleurs de Brasilia et le Legacy. L'enregistreur phonique lui donne un aperçu remarquablement détaillé de ce qui s'est passé à bord. Cet avion très récent est équipé d'un enregistreur extrêmement performant qui stocke 2 heures d'environnement acoustique. L'enregistreur phonique a probablement été la pièce maîtresse de cette enquête. À 15h50, le Legacy doit changer de canal pour contacter le centre gérant son vol. Passer sur le 125.05. 125.05, bonne journée. Bonne journée. Le Legacy approche alors de Brasilia, mais il ne reçoit aucune instruction concernant son altitude. Brasilia, November 600 X-ray Lima, niveau de vol 370, bonjour. November 600 X-ray Lima. Lorsque le Legacy a survolé Brasilia au niveau de vol 370, on aurait dû, d'après le plan de vol déposé, le faire descendre au 360. Mais le contrôleur a tout simplement oublié de donner un ordre dans ce sens. Les pilotes ont donc conclu qu'ils étaient censés se maintenir au 370, soit à 37 000 pieds. Aucun avion n'a le droit de changer d'altitude si le contrôle aérien ne lui en donne pas l'ordre. Pour découvrir pourquoi cet ordre capital n'a pas été transmis, le colonel Ferreira s'intéresse à l'équipement permettant de gérer le trafic au-dessus du Brésil. Vous pouvez me montrer l'écran du Legacy ? Sur l'écran radar, on voit apparaître l'altitude, la vitesse et le code transpondeur qui permet d'identifier chaque appareil. Chaque vol se voit affecter un code qui permet au contrôleur de le suivre. En dessous apparaissent 2 chiffres. À gauche, l'altitude réelle. À droite, l'altitude à laquelle l'avion devrait se trouver en vertu du plan de vol déposé. Donc ici, le chiffre passe à 360. Au moment où le Legacy survole Brasilia, le chiffre de droite, l'altitude prévue, change. Le système informatique effectuant automatiquement la mise à jour. D'après le plan de vol, à cet instant, l'avion aurait dû descendre à 36 000 pieds au niveau 360. Pour autant que je sache, seul le système de contrôle aérien brésilien utilise ce type de matériel. Dans le reste du monde, cette mise à jour est effectuée manuellement. L'ordinateur a changé un seul nombre, ce qui a conduit à une erreur tragique. Manquant d'expérience sur ce système informatique, le contrôleur a confondu la nouvelle altitude prévue avec l'altitude réelle. Le système a fait le changement automatiquement. Il est passé de l'altitude autorisée à l'altitude du plan de vol.
ce qui a conduit le contrôleur à croire que le Legacy volait au 360. Les enquêteurs interrogent le contrôleur qui était en service ce jour-là lorsque les chiffres ont changé. Peu après, j'ai pris ma pause et Lucy Vando m'a remplacé. Il explique aux enquêteurs qu'il a commis une erreur tragique. Tu as 5 avions. Le Legacy est au niveau de vol 360. Avant de partir, il confie ses vols à un collègue en lui disant à quel niveau de vol il pense que le Legacy se trouve. Je croyais qu'il était au 360 et c'est ce que je lui ai dit. Lorsque le deuxième contrôleur a pris la relève, le premier lui a indiqué l'altitude du Legacy prévue par le plan de vol déposé, soit 360. Mais l'avion était en fait 300 mètres plus haut, en plein sur la trajectoire du 737 de la Gaulle. En étudiant les transcriptions des échanges à bord du Legacy, le colonel Ferreira découvre que l'équipage a eu quelques problèmes. Encore combien de temps ? Bonne question, Ralph. L'équipage n'est pas familiarisé avec certains des systèmes de pointe. J'essaye de comprendre le fonctionnement de ce système de gestion de vol. Où est la durée totale ? J'ai l'impression que les pilotes ont essayé de comprendre le fonctionnement des systèmes de l'avion pendant le vol. Les enquêteurs découvrent également le problème de communication radio. Brasilia, November 600 X-ray Lima, niveau de vol 370, bonjour. November 600 X-ray Lima, code transpondeur. Après une brève conversation entre le Legacy et le centre de contrôle régional de Brasilia, pendant près d'une heure, les pilotes n'ont eu aucun contact avec qui que ce soit au sol. Pour le colonel Ferreira, c'est extrêmement inhabituel. Les pilotes sont restés 57 minutes sans parler une seule fois avec le contrôle aérien. Ça paraît long. Puis au bout de tout ce temps, ils ont appelé à 12 reprises, mais sans succès. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Gian Paladino essaie de contacter le contrôle aérien, mais il n'y parvient pas. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Il essaie alors les fréquences de secours figurant sur ses cartes de navigation. Brasilia, November 600 X-ray Lima. November 600 X-ray Lima. Mais ce seul contact se solde par un message inaudible. 106 décibels 25. Merci de répéter le canal pour N600XL. Tant les pilotes que l'aiguilleur du ciel auraient dû s'efforcer de maintenir un contact radio permanent. C'est leur devoir. Brasilia, November 600 X-ray Lima. Si pilotes et contrôleurs s'étaient parlé, ils auraient peut-être remarqué que le Legacy volait vers le nord dans un couloir aérien réservé au trafic à destination du sud. Lorsque le public apprend le cafouillage survenu au centre de contrôle aérien, les pressions s'accentuent pour que des changements soient effectués. Nous voulions comprendre ce qui était arrivé aux contrôleurs aériens. Ils auraient dû voir sur les écrans de leur radar que ces deux avions allaient se rentrer dedans. Le contrôle aérien brésilien est un des derniers au monde à être géré presque essentiellement par les militaires. Comme il est dirigé par l'armée de l'air brésilienne, nous n'avons pas eu accès à toutes les sources. Nous ne savons que ce qui a été publié. Mais au moment où on commence à les critiquer, les contrôleurs évoquent les surcharges de travail et les carences de leur formation. Ils se sont plaints de ne pas avoir reçu une formation correcte en anglais, la langue internationale de l'aviation, et ils se sont également plaints de leur équipement. Le contrôleur qui avait mal lu l'altitude du Legacy ne travaillait que depuis un an. Mais il manque encore une pièce importante à ce puzzle. Les enquêteurs ne savent toujours pas ce qui s'est passé lors des dernières minutes du vol de la Gaulle. Les soldats passent la jungle au peigne fin avec des détecteurs de métaux pour mettre la main sur le module mémoire de l'enregistreur phonique.
Il le retrouve près d'un mois après le crash. Le colonel Ferreira espère y découvrir une raison expliquant pourquoi l'équipage n'a pas pu éviter la collision. Vol 1907, contactez Brasilia CCR au 125 décimal 2. Bon vol. Merci Brasilia, 125 décimal 2, Gol 1907. Aucune alarme n'indique l'imminence de la collision avec un autre avion. Les pilotes se fient au contrôleur pour qu'ils tiennent les autres appareils à distance. Et ils consacrent la majeure partie de leur temps à surveiller leurs instruments, pas le ciel. Compte tenu de leur vitesse, s'ils détournent le regard ne serait-ce que quelques secondes, ils ne peuvent pas voir un autre avion approcher. Il n'y avait pas de problème de communication ou de compréhension entre les pilotes et les contrôleurs aériens. Garde ton calme. Ils n'ont eu aucune idée de ce qui venait de leur arriver. Et ils se sont battus jusqu'au bout pour reprendre le contrôle. Ce combat, qui dure moins d'une minute, est perdu d'avance. Mais pourquoi n'y a-t-il eu aucune alarme ? Les deux avions étaient équipés d'un système de sécurité conçu expressément pour éviter ce genre d'accident. Le colonel Ferreira doit comprendre pourquoi il n'a pas fonctionné. Au début de l'enquête, des images radar étranges avaient laissé entendre que les pilotes du Legacy volaient de manière chaotique au-dessus de l'Amazonie. Ces soupçons ont été levés. Mais le colonel Ferreira revient sur ces données pour comprendre pourquoi aucun des deux avions ne savait que l'autre était à proximité. L'altitude varie de manière significative. Pour comprendre cet ultime mystère, Rufino Ferreira revient à l'affichage radar que le contrôleur a eu sous les yeux le jour du drame. Au lieu d'indiquer uniquement l'altitude prévue et l'altitude réelle, il a également fait apparaître la lettre Z entre ces deux chiffres. Le Z sur l'écran du contrôleur aérien indique que le transpondeur de l'avion en question n'émet plus. Tous les avions modernes sont équipés d'un transpondeur. À l'instar d'une station radio miniature, il émet des données relatives à l'altitude et au numéro du vol. Ces renseignements sont captés par des radars au sol et affichés instantanément sur les écrans des aiguilleurs du ciel. À Brasilia, en cas d'arrêt de la transmission du transpondeur, le radar primaire prend automatiquement le relais. Depuis le sol, il émet des signaux qui rebondissent sur la cible voulue, mais il fournit une lecture très imprécise. Le radar primaire est une indication passive de tout ce qui traverse l'espace aérien. La différence entre l'altitude réelle et celle indiquée par le radar primaire peut diverger de plusieurs centaines de mètres. Le manque de précision du radar primaire suivant le Legacy explique pourquoi l'altitude semblait varier sans arrêt. Mais le transpondeur est resté muet pendant le quart d'heure qui a précédé la collision et les contrôleurs ne l'ont pas signalé au pilote. N'ont-ils pas remarqué la subtile modification d'affichage ? La façon dont le renseignement est présenté au contrôleur ne s'accompagne pas d'un avertissement visuel. Il n'y a pas de lumière clignotante indiquant à l'aiguilleur du ciel que le transpondeur n'émet plus. Et ce transpondeur joue un rôle encore plus crucial. Il envoie des renseignements au sol, mais également aux autres aéronefs. En effet, tous les avions de transport commerciaux sont équipés d'un système anti-collision appelé TICAS. Le TICAS donne la position relative des avions se trouvant dans un rayon proche de votre propre appareil. Le TICAS capte le signal du transpondeur d'un avion en approche et déclenche une alerte si ce dernier est trop près. Mais si un des deux transpondeurs est coupé, le système ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe ? Rufino Ferreira découvre que le transpondeur du Legacy a fonctionné avant et après la collision.
mais que pendant plus d'un quart d'heure, il est resté muet. Comment cet avion qui sortait d'usine a-t-il pu avoir un problème de transpondeur? L'arrêt du transpondeur a clairement joué un rôle dans cet accident. Et le nôtre, c'était de découvrir ce qui avait provoqué cette défaillance. En examinant le transpondeur du Legacy, le CENIPA découvre que le système qui le fait fonctionner a un passé trouble. Il avait été installé à bord d'un autre avion, puis retiré pour cause de mauvais fonctionnement, avant d'être réinstallé, après réparation, sur l'appareil vendu à Exceler. Les enquêteurs passent la machine au banc d'essai. Pourtant, malgré ses antécédents, elle ne présente aucun problème de fonctionnement. Ce sont les plans du cockpit d'un Legacy standard. Néanmoins, le colonel Ferreira repère quelque chose de potentiellement dangereux dans la conception du poste de pilotage du Legacy. Si un pilote utilise le repose-pied pendant le vol, ses orteils risquent de buter dans les boutons du transpondeur. Voyons ce que ça donne en mode stand-by. Quand le transpondeur passe en stand-by, il y a peu de chances pour que le pilote le remarque. Il n'y a pas d'alarme. Seul un petit voyant jaune indique que le transpondeur n'est plus branché. Ce n'était pas facile pour les pilotes de le repérer, car il n'était pas relié au système central d'alerte. Mais les pilotes du Legacy ne se souviennent pas avoir utilisé le repose-pied. J'essaie de comprendre le fonctionnement de ce système de gestion de vol. Le CENIPA pense qu'un des pilotes a dû éteindre l'appareil par erreur. Voici le scénario le plus probable. Accidentellement, un des pilotes a temporairement débranché le transpondeur pendant qu'il se familiarisait avec l'équipement de bord. Quelle que soit la raison pour laquelle le transpondeur a été débranché, à un moment critique, l'équipage ne disposait plus d'aucun système de sécurité susceptible de l'avertir qu'il volait droit en direction d'un 737. Et même si le TICAS de l'avion de la Gol fonctionnait, il n'a capté aucun signal en provenance du Legacy, puisque ce dernier n'en émettait pas. En s'approchant les uns des autres à une vitesse cumulée de 1600 km/h, les pilotes n'ont jamais vu l'autre avion. Suite à cet accident, le contrôle aérien brésilien va subir des modifications profondes qui ne vont pas se faire sans difficulté. Les enquêteurs du CENIPA ont reconstitué l'enchaînement des événements. Brasilia, November 600 X-ray Lima, niveau de vol. Les deux avions ont reçu l'ordre de voler à la même altitude, dans le même espace aérien. Surveillance radar. Inexpérimentés et surchargés, les contrôleurs de Brasilia ont oublié de demander au Legacy de descendre à 36 000 pieds. Tu as 5 avions. Le Legacy est au niveau de vol 360. Ensuite, ils ont confondu l'altitude prévue et l'altitude réelle. Qui plus est, les pilotes du Legacy, qui ne connaissaient pas l'espace aérien brésilien, n'ont pas pu entrer en contact avec les aiguilleurs du ciel. Enfin, le transpondeur a été débranché de manière inopinée. Et les contrôleurs de Brasilia n'ont rien remarqué. Reste calme! Reste calme!
Un CCR de plusieurs milliards d'euros devant tenir les avions à distance n'a pas repéré la collision imminente de deux appareils. Une par une, les erreurs humaines se sont enchaînées. Et l'ensemble du système mis en place pour justement éviter que de telles erreurs se produisent a été mis en échec. Un mois après l'accident du vol 1907, les contrôleurs aériens entament une grève du zèle pour attirer l'attention sur les problèmes qu'ils rencontrent. En commençant à travailler en respectant les règles à la lettre, ils ont provoqué ce qu'on a appelé la crise de l'aviation au Brésil. À un moment donné, près de 40% des vols dans tout le pays ont enregistré plus d'une heure de retard. Suite au drame et au ralentissement du trafic, des modifications sont introduites. Il y a eu de nombreux changements au Brésil après cet accident, surtout au niveau du contrôle aérien. L'armée de l'air a été forcée d'admettre qu'elle manquait de contrôleurs, et depuis, les responsabilités sont mieux assumées. Aux États-Unis, la FAA, l'aviation civile, publie deux recommandations au lendemain de cette tragédie. La première avertit les pilotes aux commandes d'un Legacy qu'utiliser les repose-pieds risque de débrancher le transpondeur. La deuxième demande aux fabricants d'ajouter une alarme signalant toute coupure intempestive du TICAS. Les contrôleurs, en partie responsables du crash, sont accusés d'homicide involontaire. Mais ces accusations inquiètent ceux qui ont suivi de près le déroulement de l'enquête. Une enquête comme la nôtre, qui se concentre sur la prévention, fait l'objet de pressions énormes pour que des plaintes soient déposées. En accusant des gens, on risque de créer une culture où ces derniers ne reconnaîtront pas honnêtement leurs erreurs. Et si on balaye les problèmes sous le tapis, ils finiront tous par ressortir tôt ou tard. Aucun contrôleur ne part de chez lui le matin en se disant qu'il va faire s'écraser un avion. Donc une telle action en justice ne peut qu'interférer avec les enquêtes censées empêcher les accidents à l'avenir. Plus de deux mois après le drame, l'équipage du Legacy est autorisé à rentrer aux États-Unis. Joseph et Jan ont failli ne pas quitter le pays. Certains ont voulu porter contre eux ce que je décrirais comme une accusation montée de toutes pièces pour, je cite, « n'avoir pas assuré la sûreté des cieux brésiliens ». Si nous nous réjouissons de voir Joseph, Jan et ceux qui se trouvaient à bord rentrer sains et saufs, nous sommes tous attristés par cette tragédie qui a coûté la vie à de nombreux innocents. Plus d'un an après l'accident, le Legacy est toujours dans son aéroport amazonien. Son voyage inaugural a tourné court suite à un enchaînement d'erreurs humaines et technologiques.